Steven, trois fois champion du monde d'affilée, tu réalises? Non, pas trop. Si, un petit peu quand même. Enfin, c'est mitigé. Je ne réalise pas en termes d'importance, mais je réalise parce que j'en ai chié vraiment. Et franchement, j'y ai laissé des plumes. Et ça m'a... Il m'a pompé beaucoup, cette prépa. Elle a été très, très compliquée. Cette compète aussi, je me suis bouffé moi-même. Donc, ouais, donc, je m'en rends compte quand même. Tout au long de la compétition, y compris en finale, visiblement, tu avais l'air plus tendu que d'habitude. Ah, c'est toi qui t'es mis la pression tout seul un peu? Ouais, je me mets la pression, j'ai l'impression d'avoir toujours besoin de prouver quelque chose, alors qu'en soi j'ai fait déjà, même si je l'avais perdu, l'histoire est quand même belle. Mais je voulais pas, tu vois, je voulais pas, alors forcément un frein, comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu, je pense, en finale mettre beaucoup plus de points, parce que j'étais à l'aise, hein, et, je me suis pas senti effrayé. Mais j'ai rendu le combat compliqué finalement parce que je me mets des barrières. Mais l'important, c'est ce qui reste, c'est celle-là et c'est la troisième. Tu nous fais peur à la fin là, qu'est-ce qui te prend? Ouais, bah justement, tu vois, une panique un peu parce que tout ça, toute la pression. Après, je savais que c'était après le zéro. Soit c'est ça parce qu'il y a le public que ça enflamme un peu, mais deux secondes pour un crochetage, que je recule dans le coin, qu'ils viennent, qu'ils marquent pas réellement parce qu'en plus je me protège bien. Bon, je savais que voilà. Mais bon, t'attends toujours, quand t'attends que la vidéo review, elle vérifie, c'est dur. Quel est le plus beau? Titre. Le plus beau, ça reste le premier. Parce que j'étais jeune et c'était tellement incroyable en termes d'émotion. En fait, ils ont tous une valeur différente. Le premier, parce que c'est le premier. Le deuxième, parce que je sors des jeux et c'était sans entraînement quasiment. Et je fais une très belle compète avec une très très belle finale. Et celui-ci, parce que il m'a tellement fait suer ce championnat que voilà, c'est tous un sentiment différent. Celui-là, il a plus un sentiment de pff, Dieu merci, c'est la fin. Et en plus, tu t'étais un peu blessé au pied cette semaine. Comment tu t'es soigné? Ouais, en fait, à chaque compète, là, j'arrive plus à sortir intact, je te mens pas. Ben, franchement, glace à fond, anti-inflammatoire. Et Dieu merci, ça s'est pas passé comme en Turquie. Parce qu'en Turquie, le pied, il m'a traîné un an et demi. Hein, donc là, ça va. Là, pour l'instant, j'arrive à poser le pied, il m'a pas gêné. Donc ça va. Une image de cette finale ou de ces championnats du monde? Franchement, l'image que j'attends, c'est de me poser ce soir et de me dire putain, je l'ai fait. Je te mens pas. C'est surtout ça. Et tu nous la montres, cette médaille là. Merci Steven et félicitations. Merci.